Hey girls, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez là, j'ai une coupe qui change de fou. Genre ça change de fou. J'ai une coupe, ok, c'est long, ok, mais c'est avec mes cheveux naturels, tout ça. Mais what? Non, franchement, je suis trop contente parce que là, c'est la première fois que j'ai réussi à mettre des clips toute seule. Genre la première fois que j'en avais mis, on me les avait posés, donc ça n'a rien à voir. Là, je les ai mis toute seule et franchement, ça donne de fou. Ça donne de fou. On dirait un tissage. On dirait mes cheveux même. On dirait mes cheveux. Franchement, la personne qui dit que c'est pas mes cheveux, c'est grave une rageuse. Ce sont des clips qui viennent de chez Curls Queen. Donc si vous voulez voir comment je les ai posés, comment je les ai stylisés, comment je les ai coiffés et tout, bah continuez la vidéo. Non mais les filles, on est d'accord que mes cheveux ont gonflé de fou là. Je suis choquée. What? Ils ont archi gonflé. Avant quand je les séchais avec mon Dyson, ils étaient tout plats, tout fins. Là tes mains. What? What? Trop contente. Bref, aujourd'hui, je vais venir poser des clips. J'en ai déjà fait, mais on me les avait posés. Je n'ai jamais fait toute seule. À ce moment-là, c'est facile, donc on va essayer de le faire rapidement. Là, le seul truc qui va me prendre du temps, c'est de lisser mes cheveux. Parce qu'en fait, attendez, je vous montre. Déjà, les clips viennent de chez Curls Queen. C'est une marque qui propose des extensions en tout genre. Je ne sais pas s'il y a des wigs et tout. Je ne sais pas si c'est que des extensions ou pas. Mais en tout cas, alors, ils font des bonnes extensions. Donc, celles que j'ai prises, ce sont les Light Yaki. Donc en fait, ils sont lisses, mais ils ont une texture de cheveux crépus, donc ça fait archi naturel. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais vraiment, ça a une texture de cheveux crépus, elles sont bien épaisses. Au début, j'avais peur qu'un paquet ne suffise pas, mais au final, je pense que ça va être bon. Hein. Vraiment, je pense que ça va être bon, parce qu'elles ont l'air super full. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est peut-être la couleur par rapport au mien, parce que les miens, ils sont quand même clairs, ils sont marron clair. Donc j'espère que ça va bien se fondre. Donc en tout cas, il faut que mes cheveux soient encore un peu plus lisses que ça. Donc je vais essayer de le faire rapidement. Je sais pas si ça va être rapide, mais on va s'y mettre. Là, je vais couper en deux. Comme ça. Et on va faire mèche par mèche en essayant d'en prendre des petites. De base, je voulais utiliser... J'ai une tête. De base, je voulais me laisser avec mon steampad. Mais en fait, comme il est gros... Je trouve qu'il prend pas assez bien les petits cheveux, tu vois, la racine et tout. Donc je vais bien utiliser celui-ci. Ah! J'ai tellement pas l'habitude de lisser les cheveux. Je pense qu'on est loin du silk press, mais on essaye quand même. Non, le problème c'est mes pointes. Elles veulent jamais bien se lisser, genre. Je les coupe de toute façon. Vous inquiétez pas, hein, j'avais mis des trucs protecteurs avant de... avant de me sécher les cheveux avec le Dyson. Bon voilà, j'ai bien lissé mes cheveux. Ils sont pas extra lisses. J'ai laissé un peu de texture et je pense qu'ils vont encore mieux se fondre avec les clips. Donc, moment de vérité. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a les 5. Donc, ça, je pense que c'est les plus longues. On va les garder pour le milieu de la tête. Donc, on en a 2 des comme ça. Ok. Ensuite, on a des 4. Ensuite, on a 3 et 2. Ouais. Ok, super. Donc déjà, je vais commencer avec les 3. Attends, déjà, je vais relever mes cheveux. Eh, ça va être compliqué. Tcha 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 tcha. Quelque chose que j'ai jamais fait. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit droite. Chouchou. Chouchou, chouchou. Et on va juste venir. Je vais vous montrer derrière. Franchement, j'espère que la ligne est droite. Si la ligne n'est pas droite, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Donc, on va essayer de placer comme ça. Bon déjà, premier clip, franchement mes cheveux se font plutôt bien hein, déjà. Genre ça va. Ok,
Là, je vais remettre 3. Et ce que je fais pour que ça accroche bien... Attends, ça c'est 4. Non, ça c'est 3. Ce que je fais pour que ça accroche bien, c'est que je frotte la barrette sur mes cheveux, genre comme ça. Ça va faire en sorte que ça tienne bien. Voilà. Alors, maintenant on va passer au 4. Parce que là on arrive au milieu de la tête. C'est parfait pour cette partie de la tête. Ouh, ça commence à ressembler à quelque chose là. Waouh. Oula, là, celle-là elle est un peu visible. Enfin, allez. Oh, en fait, c'est bon. Franchement, c'est beaucoup plus facile que je le pensais. Hein. Vraiment. Alors, ensuite, on va faire une en 3 comme ça. Je vais faire au milieu. Toute droite. Je crois que je vais en faire 2 comme ça. Franchement, à l'école de ma fille, ils doivent rien comprendre. Hein. Parce que ce matin, je suis arrivée, j'avais mes cheveux tout crépus là en chignon. Là, je vais venir. Là, je vais venir avec mes cheveux longs là. Bien lisse et ils doivent rien comprendre, ils doivent être perdus franchement. Je pense que des fois ils me reconnaissent pas, des fois ils savent pas que c'est moi. Ouh, je commence à avoir mal au bras. Là je vais mettre le dernier 4. Ouais, c'est le dernier. Ok, donc déjà on va tracer notre raie. Donc comme on a dit, on fait une raie au milieu. Bon, on peut faire côté hein. Ça va être joli aussi hein. Comment je vais faire pour côté? Côté, en fait, il faudrait que je rajoute. Ouais non, attends. On va faire côté. Tiens. Mais regardez comment c'est naturel, je suis choquée. Je vais juste mettre une ligne là. Juste là. Pour que ça soit un peu rempli. Bien long. Mais si tu arrives à garder ton lissage longtemps, je pense que c'est bénef. J'espère qu'on est bon et que derrière c'est pas bizarre. Toi, je vais vérifier parce que... Et si je sors là et que tout. Ah putain, on voit! Merde, on voit. Comment je vais faire? Je l'enlève complètement. Je crois que je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Franchement, je préfère que ça soit plus plat et qu'on ne voit aucune ligne plutôt qu'on en voit quoi. Donc là c'est parfait. Là, c'est parfait. Ok. Alors maintenant, je vais juste venir retracer ça un peu. Je vais faire des beaux baby hair. Oh, non mais là, franchement, ça donne de fou. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. En vrai, ça va être là le moment de vérité. C'est là qu'on va voir si ça donne. Je l'ai trouvé. Ouh, ma red one. Bon. Voilà, au niveau de la longueur, ça donne ça, franchement c'est parfait, c'est la taille parfaite pour des clips naturels comme ça, c'est vraiment... Oh,
j'aime trop. Oh les gars, j'aime trop. Si vous voulez vous procurer l'éclipse, je vous les mets en dessous. J'espère juste que je vais pouvoir dormir au moins une nuit avec. Au moins une nuit. Je vais bien les protéger et tout. Attends, est-ce qu'on peut les mettre en lecteur? Hé! Regardez avec une ponytail. Ah, mais c'est trop bien! J'ai un peu peur de la faire haute. Mais au moins, je peux faire une ponytail comme ça. Oh, c'est le feu. Oh, le feu, les gars. Oh, c'est le feu de fou. Ah là, là, faudra juste que je la cache bien. What? What? Oh là 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 là. Oh là là, mais je vais faire ça tout le temps. Je vais faire ça tout l'hiver, c'est bon. C'est bon, c'est décidé en fait. Donc voilà, moi et ma magnifique coupe vous laissons. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Gros bisous. They be on that rap to pay the bill shit. And now